Pierre Billon, tu connais ou pas? La Bamba triste. Je me sens définitivement comme une Bamba triste. Définitivement. Pourquoi cette chanson? T'as rien remarqué? Putain, le titre de la vidéo, t'as pas vu? C'est l'épisode numéro 10. Champagne! Champagne! Allez, on l'ouvre. Ah! Oh putain, je saigne! Oh, je saigne! Madame la truite s'est trouvée une passion. Eh ouais? Eh ouais, mais tu sais pas, je te dis. T'es là, tu regardes la vidéo, je te dis. Tu te dis, c'est encore un truc à la con. Un peu comme la chanson de Passepartout, tiens. Je suis Passepartout du Fort Boyard. Eh ben, pas du tout! C'est un truc de fou. Elle a un talent de dingue. Ah ben ça, on l'a ou on l'a pas. Elle le savait même pas. Madame la truite est une artiste peintre. Elle a appris ça à Ibiza. Elle s'est fait un ami qui s'appelle Olivier Talon, qui est encore une fois dans la rue Danton. Fait des trucs de fou lui aussi. Hein. Et les mains, c'est hyper compliqué à faire. Bon, les mains de la truite, c'est pas trop ça. Ah putain, sois pas méchant! Elle débute! C'est son premier! Et à chaque fois qu'elle voit ce qu'il fait, elle est jalouse. Bon, comparé à ses tableaux... C'est sûr que là, bon, hein, c'est pas terrible ce qu'elle fait. Parce qu'à chaque fois qu'elle sort de chez Olivier, elle est dégoûtée. Et elle compte demander à Monsieur Starb ce qu'il pense de son tableau. Elle rentre à la maison de retraite, et là, Starb, il lui dit, Gisèle, je trouve ça magnifique. C'est très joli. Vous êtes une artiste. C'est votre premier? Oui, c'est mon premier. Mais c'est pas la peine de me passer la pommade. Hein. Ah non, Gisèle, je trouve ça... mercaliptotique. J'ai pas compris l'histoire du jus de fruits. L'histoire du jus de fruits, là. Du jus de fruits. Starb, il sort de sa chambre, et dans le couloir, il murmure. C'est vraiment de la merde, son truc. Je suis assez d'accord, quand même. Mais Madame la truite, à Ibiza, elle a une autre passion, quand même. Elle a appris à manger. Parce qu'elle a pas envie de finir comme une grosse patate, quoi. Ça fait 2 mois qu'elle mange cru et à la vapeur. Oh putain, elle a tout compris, elle. Des fruits, des légumes, bocal de légumes lacto-fermentés, des graines germées, de la spiruline. Et du coup, tous ces aliments, faut bien qu'elle les achète. Elle va les acheter sur la planète Zorg. Au cœur du bio. Tu connais pas? Mais carrément, depuis qu'elle connaît ce magasin, ça lui a changé la vie. Elle dort bien, elle est de bonne humeur, elle sourit tout le temps. La good life, quoi. Son tableau, il est peut-être pas très bien, mais au moins, elle mange bien, putain. Et pendant qu'elle se préparait à manger, il y a une personne qui monte les escaliers. Il se dirige devant la porte de Madame la Truite, quoi. Il frappe, tu devineras jamais qui c'est. Bonjour, Madame la Truite. Vous me reconnaissez? Non? Foutez-moi le camp, je suis Monsieur l'Oiseau. Wow! Mais qu'est-ce que vous foutez avec ce casque de Solex? L'hélicoptère, c'est terminé. Je vous le jure, maintenant c'est le Solex. Ah oui, en effet, on n'est pas du tout dans la même catégorie là. Et pourquoi vous êtes venu me voir? Je suis venu pour m'excuser. Elle lui ferme la porte au nez. Pas de bagarre, rien. Restons zen.
Et là, Monsieur Starb, il est en train de promener tranquillement au centre-ville pour acheter un cadeau à Madame la Truite. Passe devant la pharmacie, passe devant chez l'ophtalmo. Faut savoir qu'il existe plus d'un millier de variétés de pommiers. Et il va la voir dans sa chambre pour lui donner son cadeau. Et là, il lui offre un râtelier à fusil. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle foute d'un râtelier à fusil ? Un râtelier à fusil ? Un râtelier ? Et pendant qu'elle ouvre son cadeau, petit à petit, Monsieur Starb s'approche avec sa bouche. No, bitch, be on. All of bitches. All of bitches. All of bitches. All of sit down. Be humble. Lolo, tu me passes une bouteille? Je vais me bourrer la gueule. Je vais faire ça. Oh, et je l'ai. J'ai une tête de con. Champagne! Ouais. Ceci était un trucage. Avec de la framboise. Et ça va, mais... C'est tombé. Oh putain, c'est tombé. Tout. Sur le fauteuil, tout. Qui est évidemment dans la... Qui est... Tais-toi, je t'entends là. Je t'entends. Ne ris pas! Ah, gueule! Sit down! Lean on me.